Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de MGS 5, donc Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Donc, comme je vous l'avais dit dans le précédent épisode, on a passé beaucoup de temps à rien faire au final. Et on va essayer de changer ça. Donc, on s'est mis ici, on avait la ville devant nous. Je ne me rappelle plus où est. Voilà, c'est ici. Et ça s'était très très mal passé. Donc on va essayer, chers amis, de y aller un peu mieux, on va dire. Un peu plus discrètement, on va dire. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'il y a par là? Il me semble que j'avais vu, chers amis, sur nous. Voilà. Un certain objet qui pourrait être intéressant. Alors, on a dans le coin. Oula, on a un bonhomme là-bas. Pas ouvrir de porte, c'est pas un bon. C'est pas une bonne chose. Aller sur les toits, c'est pas une bonne chose non plus, on avait remarqué. Est-ce qu'il nous restait des armes? Munitions, oui, d'accord. Tout est placé quand même, je vérifie, mais oui. Voilà, silencieux, il est bien. Il est mis aussi. Ok. Ah oui, non, non, ça je veux pas faire. Si je veux par contre. Parabolic antenna. There could be intel files of some kind in there. Ok, alors si je veux par exemple m'occuper de ce gars. Qui semble être seul, relativement seul. Apparemment, je suis hors de portée. Oh oh. Et son pote est juste à côté. Hop. J'espère que ça ne les fait pas venir. Diamant brut. Parfait. Intéressant, c'est un métal courant. Métal courant.
on monte. Ça se passe plutôt bien. Est-ce que ça veut dire que j'ai été repéré? J'espère pas. C'est pas là? C'est pas une radio ça? Hop, dehors, dehors, dehors. Allez, viens. Quelle discrétion, Marcus. Faut monter encore un petit peu alors. Pourquoi pas. Quoi ça? Un diamant brut. C'est pas ça, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Alors, ah. Où ils sont ces foutus renseignements? Bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Ça m'énerve, je trouve pas du tout les renseignements. Devrait être par là pourtant. Ressources biologiques. Devrait être là. Bon, c'est pas grave. C'est quoi ça? Métal courant. Alors, métal, métal. Bon. Un instant. Re, chers amis. Donc, excusez-moi, un petit coup de téléphone. Bon. Il y en a des gens là-bas. Je suis désolé, moi j'ai envie de... Je pense que la... Que la truc est là-bas. Hein. Je pense qu'elle est en dessous, j'ai du mal voir. Là où j'ai mis le corps de l'autre Tintouin. De toute façon, il me la faut absolument. Oula, baisse de framerate. Incompréhension aussi, pourquoi pas. Là, il n'y a rien. Mais elle devrait être là. Oula, grosse grosse baisse de framerate. Est-ce que je l'aurais pas viré quelque part? Je sais pas. Oula. J'ai de très 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 grosses baisses de framerate, chers amis. Je comprends pas pourquoi.
ça aurait dû être là. Ou alors elle est là-bas. Ah. Ah ah. Raté. Bon bah écoutez, tant pis hein. Tant pis, tant pis. Je vois que ma caméra en plus se casse au fur et à mesure. On va sortir de la ville et on va appeler le cheval. On va stacker directement à la grande truc hein. Alors j'ai appris qu'on pouvait refaire l'émission plusieurs fois. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Très bizarre au niveau du mode histoire, mais tant mieux. Donc voilà, 6h du matin. C'est ça que j'aime pas en fait. Le fait que le temps passe, je déteste ça. Alors d'accord, merci. Ok. D'accord. Donc là, il y avait un campement que j'ai décidé de complètement ignorer, apparemment. Allez, cheval! Ah, cheval, allez. Oh, le pathfinding du cheval est quand même assez particulier. Hein. Allez, oui, bien sûr. Dès qu'il y a le moindre caillou par terre, il saute. Hein. Dieu merci, les vrais sont pas comme ça. Alors, rigolons. Oh, un drapeau rouge. Un drapeau communiste, je suis certain. Rigolons. Rigolons ensemble, mes chers amis. Il y a quelqu'un là. Intéressant ça. Le plus tu veux pas me la prendre. Bonjour. Pas l'air d'y avoir grand monde dans cette espèce de bouée de ville, effectivement. Oh, canasson qui a du mal à sauter. Hein. Ok. Nous y voilà, chers amis. Alors je vous rappelle qu'on est en plein jour, du coup ça va être un petit peu plus compliqué, je pense. Hop.
Alors. Alors, viens par là. Allez, viens. Non! Voilà. Parfait. Parfait. Ok. Allez, monte. That's the building, boss. That's where they're holding Miller. Oh, intéressant ça. Réserve de carburant. Métal courant. Cassette. Où suis-je? Qui suis-je? Dans quelle étagère? D'accord, parfait. Lui, il est à 12 mètres apparemment. Oh putain! Oh putain, le voilà! Bon! Hey! Tu aimes ça manger des patates? Oh la vache! Surprise. Il pleure, pauvre petit père. Oh, c'est mignon. Des larmes d'homme. Tiens, mets tes belles lunettes. Ah. Ça c'est bon. Ça c'est bon, chers amis. Par contre, je veux pas le porter. Non. Oh putain, je m'en doutais. Je m'en serais douté. You've secured the target. I'll send the chopper to get you out.
Make your way to the RV. You can check the location on your iDroid. Mission info has been updated. Non! Voilà. Age hasn't slowed you down one bit. Not so heavy anymore, right? Encore heureux que tu pèses moins lourd, mon gros. Te relève pas. Est-ce que je peux le mettre sur mon cheval? Oui! Mais non, fais demi-tour. Canasson. Voilà. J'ai eu. Allez, eu. Tant pis, ils m'ont vu. Et alors? Si tu veux, on t'attend. Allez! Oh putain, c'est quoi cette espèce de tempête de sable? What? On est là! Pourquoi y a pas la zone normalement avec le. Oui! On est là! T'as un gaz? Mais non, c'est du sable! T'es complètement con, c'est du sable! Descends! What? Tu gazes? It's them. Qu'est-ce que... Des zombies? Putain, on est dans Call of Duty d'un seul coup? What? Des zombies ninja? Mais c'est qu'on va fuir. Après tout, on est sur le cheval, on peut fuir. Les skulls, les crânes. D'accord. What? What? Ouh! Bah ça va, on est à cheval, c'est bon. What? Bande de ninjas! Pourquoi j'arrive pas à les semer? Aïe! On arrive! Oh putain! Je crois que c'est bon. Cool. Désolé, j'étais un petit peu coupé. Non, mais non. Canasson. Canasson! Allez, viens, viens par là, mon gros. Bonjour! Dis-moi que t'as au moins un artilleur sur le côté. Oh, mais la gueule! Allez, monte! Allez, on y va.
2 sur 6, mais on pourra les refaire, chers amis. Donc de ce côté-là, je pense qu'on sera bon. Allez, monte. Ah, ça c'est une idée. Ça c'est une idée, chers amis. Bon. Oh, plus 120 héroïsme. Rang B, nom de code, poussin. Oh putain. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Oh. Steering. C'est quoi ce truc? Pourquoi ça va si vite? Pourquoi c'est comme ça? Ok. D'accord. Tu peux te voir, non? Ah, salut. Ouais, pas mal. Je m'en rappelle pas. Oui, oui. Ils ont tout pris. Oh, les vilains. What? Ça passe quoi? Oui. Make a new place. Together. Oui, oui. That we can call home. Tout à fait. Yeah, we were dogs, all right. Ouais. Flinking around out of sight for sight. Digging up whatever kind of dirty money we could find. Tout à fait. Ça c'est bon l'argent. J'aime bien l'argent. We did it. L'argent, oui, oui, l'argent, je comprends l'argent. Diamond Dogs. Ouh. Our new home. D'accord, j'aime quand tu parles comme ça, tu sais. Phantom of our former selves. Triumph. Death. Ok. C'est très joyeux tout ça. Refusé? On me refuse rien, moi. I remember it all. Ah, la drogue! La drogue? La drogue, apparemment. Sauvegarde. Sauvegarde? Double sauvegarde. Le jeu n'a même pas confiance en lui-même. Ah oui, oui, c'est ça, la Mother Base, en fait. On s'était fait attaquer à la Mother Base, c'était une véritable tuerie. Une boucherie. Un truc qui finit en Ori. Alors comme vous le savez, je peux pas modifier les sons. Et tous les sons sont actuellement très mauvais, je trouve. Oh, ça parle mal. Alors, des souvenirs qui me reviennent. Bah, j'ai déjà le DD, le Diamond Dogs. Oula, si je savais... Power.
Tout à fait. Oula, il doit être gigantesque. Après 9 ans de coma, ou 7 ans de coma, je sais plus. C'est une idée. Retour à la maison. Ah, bah on n'est pas tout seul. Sympa. Je vais pas la refaire cette voix là, ce rire là. Épisode 2, Diamond Dogs. Intéressant. Est-ce qu'on peut se poser et avoir une sauvegarde, s'il vous plaît? Que je puisse mettre fin à l'épisode. J'ai pas envie de tout faire en un seul épisode. Ça a l'air très très joli. Waouh. Oh, le pauvre. Things have changed, boss. We pull in money, recruits, just to combat Cypher. D'accord. Rubbing our noses in bloody battlefield dirt. All for revenge. The world calls for wet work. And we answer. No greater good. No just cause. Cypher sent us to hell. But we're going even deeper. I know. I'm already a demon. Heaven's not my kind of place anyway. De toute façon, le paradis, c'est pas mon truc. Là, ça mérite d'être écrit comme... Le paradis... C'est... Pas. Non. Dogs of war for 9 whole years. That ends voilà. Today. Now you're not sleeping. And we're not junkyard hounds. Ah, ils ont retrouvé leur boss du coup. Le duck qui veut. Non, ferme ta gueule, c'est bon. Endors-toi. Oh, il y a des éperons à ses bottes, quoi. Oh, les belles cartouches. Bon. Bah, tout ça, c'est quand même un sacré paquet de choses. Apprenez à gérer Mother Base. Au revoir. Donc, par exemple, est-ce que je peux viser lui? Ah, je peux pas. Je dois pouvoir, en plus. Je suis pratiquement sûr que je peux. This base belongs to you now. Make Diamond Dogs the force it deserves. Like any organization, we need good people, and we need to make good use of their talents. D'accord. Miller asked me to lay that out with you. C'est quoi ça? Start bringing people in. Use ah, c'est le Fulton. Fulton recovery device. C'est ça. Intéressant. You're in the field, use it to extract any soldiers or prisoners you want back here. We'll see if we can persuade them to join us. Oh. Test it out on the staff. Anyone you want. First, put them to surprise. Je voulais pas faire ça, moi. Mais vous êtes fou. Thanks for that, boss. What's the matter, boss?
What? Endors-toi. C'est quoi ce bordel? Pourquoi je peux tous s'attaquer? Mais c'est débile! Pourquoi ils me remercient pour les frapper? Mais ils sont complètement débiles! Et pourquoi je suis en mode me planquer? Ah d'accord, ok, c'est lui qui me sert de test en fait. Ok. Oh la gueule. Le pauvre. Ok. Ils font pas de bonnes recrues, les cadavres. Pourquoi donc? Ok. D'accord. Là. Ok. That's the R&D team's development list. See the item called cardboard box? Didn't seem much use to me, but Miller was adamant that he wanted on the list. The last word in infiltration technology, or so he said. In any case, we don't have the manpower to develop it just yet. D'accord. We need more staff on the team. Ok. Go extract a few more people. Boss, put the iDroid away for a moment. You can also Fulton extract individuals you've knocked out. Ok. Bim. Donc je tape mes propres hommes. T'en rêvais pas surtout mon pote. Ok. Fulton extraction won't always be successful. If the person is injured, the shock of it could kill them. And if the weather is unfavorable, well, they could end up going missing. You can determine the chance of success by approaching the person you want to extract. If you want to be sure you can get them out, best carry them to the chopper instead. Boss. All right. Extract the next staff member. Extract him. Use any method you like. Start by knocking him out, or you can put him to sleep. Bim. 100%. Ok. 100%. Voilà. Oui, madame. Select weapons items under the now select cardboard box and start development. Just be aware voilà. That development requires fun. Development has finished. Please select a you can drop have the support point. Unit supply you with weapons and items you've developed. D'accord. Think of it as your own personal delivery service. Supply drop complete. Alors, où qu'elle est? Bah alors? Ah si, la voilà. D'accord. D'accord. You won't make any GMP or find recruits hanging around here. Board the chopper when you're ready for a mission. Open your iDroid and select a landing zone to tell it where to pick you up. Or if you're still in the mood for knocking guys on their asses, stay around here a while. Give the men some practice. Just come pay me a visit. Bim! Bim! Bim!
Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Alors, monter dans l'écho et dire. La zone des opérations. Douche. Je sais même pas comment on fait. D'accord. Ok. D'accord. Et moi, ce que j'aimerais, c'est un point de sauvegarde, l'ami. Yo. Oh. Voilà, on monte dedans. Et donc, je prends l'altitude. Ouais, ok, si tu le dis. Cet épisode commence à être drôlement long, chers amis. Sauf s'il y a une deuxième piste. Ah, 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 ah. C'est beau, ça. Non, 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 j'étais très très bien là. Oh, blah. Oh, niveau 4. Development project has been added. Un arc rasbegne. C'est 4 renards du désert. Haut-parleur. Ok, c'était la mission. Ok, cool. Solde moins 3000. Ok. Bon. Bon, bon, bon. Staring. Ah, d'accord, à chaque fin d'épisode, d'accord, il va y avoir le. Ok, pourquoi pas. Ok, récompense. Pourquoi pas. Bien sûr, ouais, un certain degré, forcément. Oh, ça c'est intelligent. Bon. Bom 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 bom. C'est long? Ah voilà. Revenir à la mission. Mission list updated. Boss, I know you haven't been back long, but I've prepared a list of missions for you. Open your eye droid. Tu permets d'abord, je regarde un peu tout ça. C'est beau. Bon, là, il y a quelques petits défauts, mais sinon, le reste est vachement beau. Ok. D'accord. Les objectifs des missions que j'ai ajoutées sont prisoner rescue, facility sabotage et high-value target elimination. Probably all a walk in the park for you, but they should help you get back on your feet. Ok. Mission details on a cassette tape. Refer to it if you decide to accept the mission. We'll receive GMP for completing missions, and extracting soldiers and prisoners will boost our ranks. D'accord. Building up mother base is the first step to achieving our goal. Ok. That means wet work. So be it. We're gonna have to get our hands dirty. Je vois. I hope you rest it up, because we're not stopping, not until the pain is gone. The future of Diamond Dogs is in your hands. Ok, ben on va aller à la Mother Base. C'est parti, on y va. Hop. Est-ce que ça va me faire une sauvegarde? Finalement? Ou pas? Hein? Oh. Ça y est, une sauvegarde, chers amis. Bon, on arrive. Et on va se laisser là.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas donc à me donner vos conseils, vos astuces. Donc pour tout simplement donc mieux avancer dans ce jeu. Moi j'ai en tout cas l'impression, enfin l'intention en tout cas de prendre un sniper avec un silencieux, hein. C'est quelque chose qui pour moi me semble évident. C'est une nécessité, on va même dire. Déplacement, je vais éviter de me déplacer là je pense. Donc oui, c'est une véritable nécessité d'avoir un sniper. J'aime bien arriver dans une zone que j'ai déjà nettoyée. Je sais que c'est stupide compte tenu du fait qu'il faut pas tuer dans ce jeu. Donc écoutez, bah, je vais voir ce qu'on peut faire. Hein. Oh, c'est beau. Allez, cassez-vous les gars. Oui, je connais le menu de l'Android, j'ai bien compris. J'ai fait déjà une arme et objet. Et je veux savoir justement ce que j'ai de découvert là-dedans. Oh, sympa ça, morale du personnel augmenté. Oh. Oh, un fiche de sniper, bah voilà, ça pourrait être intéressant. Oh, ça c'est intéressant aussi. Parfait. Ouais, pourquoi pas. Voyons voir. Ah, il va nous falloir des plantes médicinales. La voilà. Parfait. Hop. Oh, la jolie tenue. C'est beau ça. Parfait. Excellent. Arme et objet. Moi j'aurais bien quelque chose qui puisse être arme secondaire. D'accord. Ah, c'est intéressant, il y a des évolutions d'armes. D'accord. Est-ce que je peux par exemple en faire un... Ah bah oui, je peux en faire un ensuite en mode silencieux. Enfin en mode non-tueur. Ce qui peut être intéressant. D'accord. Génial. Mais bon, je suis très très loin de pouvoir le faire encore. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On pourra retrouver le lien dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.